on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, les gars, moi et mon frère, on va manger des fruits exotiques. Des fruits qu'on n'a jamais mangé de toute notre vie. Mais il y en a un qu'on a déjà mangé. Mais on a déjà mangé? Mais ça, on l'a déjà mangé, mais sauf que ça, c'est dans un autre pays. Genre, il a l'air expensive. Okay. Il a l'air nice. Expensive, ok, c'est bon. Au fur et à mesure de la vidéo, on va vous montrer c'est quoi les fruits. On va pas tout vous montrer d'un coup. Là, on veut que vous découvriez les fruits avec nous aussi. Selon moi, on commence avec les moins bizarres et on finit avec les plus bizarres. On commence avec lui. Donc, tu dis qu'on a déjà mangé ça? Attends à la caméra. C'est quoi? Une mangue qui vient de Australie, quelque chose comme mangue ça. Mangue d'Australie. Non, attends, j'avais pris une photo hier pour me rappeler des noms. Quand on est arrivé là-bas hier, les gars, j'ai pris les photos pour me rappeler des noms parce que c'est pas des trucs qu'on voit à tous les jours. Donc là, ça, je pense que c'est. Ah, c'est une mangue du Vietnam. Mangue du Vietnam. Mangue Vietnam, regardez. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est ça. Ça sent bon. Goûtons la mangue du Vietnam. Elle est pas sucrée. Ça passe, mais il manque quoi? Il manque du sucre. Mmh. Habituellement, les mangues qu'on mange, hein, elles sont naturellement sucrées. En vrai, ça passe. Mmh. Bon, next. C'est quoi le prochain qui est le moins bizarre? Je pense que c'est celui-là. Ouais. C'est quoi le nom? Comment ça s'appelle? Fruit de la passion. C'est ça? Ouais. Fruit de la passion, le fameux fruit de la passion. J'ai bu tellement de jus de fruits de la passion, mais j'ai jamais mangé le fruit. Fruit de la... Moi aussi, c'est carton, what? C'est ça? C'est quoi ce que j'ai fait? C'est un œuf. J'ai fait ça, il a éclaté, regarde. En même temps, les gars, vous avez vu notre réaction? Oh, c'est du carton. Hey, chef. What? Chef. Wouh! Regardez ça. Kigo, on goûte. 3... 2, 1. Tu casses. Les gars, j'aime pas. C'est gluant. Mm-hmm. Il analyse le goût. T'aimes pas? Par contre, t'aimes le jus. J'aime le jus, mais j'aime pas ça. Le jus est fait à partir de ça? 4 sur 10. Dégueulasse. C'est vraiment fait scam. 3 fruits de la passion pour ça. Regarde comme c'est gluant. Au moins, ils vendaient le paquet complet. C'est pas à l'unité. Là, j'ai dit, ok, on en achète 5, peut-être on va aimer. Tu vois? Ça venait ensemble dans le paquet. Donc, on en a encore 2 là. Peut-être on va aimer. Oh, ça coûte un médicament, bro. Ça coûte un peu le médicament. Regardez comment c'est gluant. Next, bro, next. Ça, c'est quoi? Abricots. Des abricots. Okay. On a jamais goûté ça. On t'a pris des jus d'abricots? Non. Jamais? Ok. Là, ici, il y en a beaucoup, les gars. J'espère qu'on va aimer ça. Regardez. C'est venu en paquet. On le partage ou bien on prend chacun? Ouais. On sort avec. Oh, il y a un noyau. Ok. Chef. Ouh. Est-ce qu'il est mûr même? C'est ça que je me demande. Les gars, on a acheté tous ces fruits-là hier. On sait pas. Comment savoir s'il est mûr ou pas? Pour savoir s'il est mûr, ça écrit que sur Google qu'il doit dégager une bonne odeur. Ouais, il y a une bonne odeur. 3, 2, 1. Attends, non! La peau aussi se mange? Ouais. Ah, tout? Ouais. Ok, go. Moi, c'est une pêche. C'est bon. Mm-hmm. Mais c'est acide. Ouais. Moi, c'est comme bon. J'ai l'impression qu'il pète encore plus mûr que ça. Ouais. Parce que là, ça a l'air un peu dur. Ah, lui, il avait l'air mûr. Oh, en plus, il est mou. Ouais, lui, il est vraiment mûr. On teste. Ok, vas-y. En plus, il est bien mou, hein. Mûr. Il est mou, ouais, ouais. Comment t'as coupé ça facilement? Comparé à l'autre. Ouais, ok, bon. Test 2, les gars. Oh, lui, il est mûr. Ça goûte la banane. Il est trop mûr. Franchement, je préfère. Ouais, ça goûte la banane. Mmh. Je préfère l'autre, le moins mûr. Mais là, c'est la première fois qu'on mange des fruits là, donc on c'est se connaît ça, pas vraiment. C'est pas bon. Combien? Regarde, ça c'est trop mûr, ça c'est parfait. Oh, trop compliqué. Quoi. Bref, ok, prochain. Next. Ça, attends. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est quoi? La grenadine. Grenadine, vas-y. Grenadine. Un truc rouge? Ouais. Je pense qu'il y a un noyau. Il n'y a pas de noyau. Attends. Pas besoin d'aller au bout. Regarde ce qu'on va faire. À place de couper tout. Pour rien. Ok, ouais, je sais ce que tu veux faire.
Mais bah, c'est pas je coupe en combien? Un tiers. C'est pas un tiers, ça, mais bon. C'est ça, exactement. Ça a l'air bien jeté. On partage ça ou? Ouais, c'est des pépins. Non, on partage? Ouais. Tu prends pas tout, hein? Juste prends les pépins. Ah, c'est juste le pépin qu'on mange? Ouais. Ah! Comment est-ce qu'on connaît le fruit? Mais j'ai vu des vidéos. 3, 2, 1, go. J'aime bien! J'aime bien. C'est bon. Prends ça. C'est mon préféré. Ouais, maman. Ah, lui, il est bien. Non, c'est juste du jus en pépin? Ouais. Ça goûte, hein? Le jus de raisin, genre. Moi, le jus d'orange. Un petit goût de jus d'orange derrière. Je sais pas de quoi tu parles. Mais c'est bon. Les grenadines, je valide. Non. Next. Tout le monde va là avec celui de la maison. C'est le moins bizarre. Oui, c'est. Des quatre. Mais il en reste quatre là. Je pense pas, il est mieux. Non, reste sur internet pour savoir comment il est mieux. Mais bon. Là, reste sur internet. Juste pour être sûr. La carambole. Lequel est bon? Ouais, lui. Okay, il est bon? Ouais. Ça dit quoi? Ça doit brunir un peu jaune. Ok. J'ai découvert la carambole au Tim Hortons parce qu'ils ont sorti un nouveau jus là qui s'appelle mangue et carambole. Et c'est comme. Tu vois, ça soit la carambole. Donc là, je l'ai pris, je le bois et j'ai trouvé bon. Je pense pas qu'on peut manger la peau. Ok. C'est ça? Ouais. Ok. 3, 2. Tout au complet? Non, pas la peau. Très bien. Ça goûte le vin. Il est même pas sucré. Le jus, il est sucré. Lui, il est même pas sucré. Il est amer. Il est amer. Oh, chef, attends. On va essayer de deuxième partie. Plus... Okay, ouais, une partie plus jaune. Ouais, peut-être ça va être encore plus sucré. Peut-être plus c'est jaune, mieux c'est. Ça non? Et vas-y. 3, 2, 1. C'est pas sucré, je comprends pas. Le peut-être jus pourtant il est pas bon. Mûr. Ouais, sûrement peut-être il est pas mûr. Il est pas à 100% mûr. On va attendre. De toute façon, on en a un autre ici. Dans une semaine, on va peut-être le goûter. Putain, je suis déçu. D'accord, prochain. Next. Donc les gars, il en reste 3. Et c'est le troisième moins bizarre. Mais le troisième plus bizarre. Des trois. Ça se lave aussi, t'es sûr? Non, on va tout laver. Hein. Pourquoi tu ouvres ça comme ça, le paquet? C'est quoi l'intelligence que t'as? Pourquoi tu ouvres le paquet comme ça? Hello, show up. Va prendre le sac Ziploc, tu vas le mettre à l'intérieur parce que... Okay. C'est quoi la logique? Ouvre le paquet, on prend un ou deux. Il l'ouvre comme ça. Au toucher, le fruit doit être suffisamment dur et son écorce intacte. Faut savoir que s'il est mûr... T'es hâté de jaune. Ça, il est bon. Ben, lui, il est un peu mou, là. Non, ils ont dit. Le litchi dont les corps se craquent. Non, ça se craque pas. On va prendre un autre, la dernière. Ah, oh, ça, je pense, c'est un litchi qui se craque. Parfait. Oh, ok. Non. Quoi, craquer, c'est-à-dire qu'il est plus bon? Comme, qui est genre effrité, je pense. Fuyez les litchis dont les corps se craquent. Ouais. Craquer, c'est quoi, qui craque? Ouais, genre qui est dur façon. Ok. On découvre les fruits, on découvre aussi comment savoir s'ils sont bons ou pas. Ouh, yak! Ça me te l'offre un peu. Lequel est bon? Les deux? Ouais. Ok. De ça à ça, il a caché. Il a caché. On va goûter le litchi. Bon. Non, je suis déçu. Yo, c'est $50 pour ça. Bon. C'est pas bon. Ça me goûte le médicament. C'est ça! Ça goûte le médicament. Disgusting! Next! Il est vraiment fait un peu peur. Le next, vous le connaissez? Yo, si lui, il est pas bon, ok, non. Mais il en reste deux. On va se battre. Non, le fruit du dragon, il doit être bon. Il doit être bon, Bijou. Si, il est pas bon. Yeah. J'ai vu des vidéos, il doit être bon. Ouh. Si, c'est pas bon. Attention à tes doigts! Chef! Celui-là, c'est le fruit du dragon blanc, hein?
On a vu un autre qui s'appelle le fruit du dragon rouge. Donc, on n'a pas fait la différence, on a dit ok, on va y aller avec le. C'était le moins cher? Ouais. Ouais, ça va. Ça va? La plante. Hmm? La plante. Ça goûte la plante. Je suis déçu, bon. Non, non, non. Mange-le, mange-le. Ça passe. Prends 2-3 coups encore, tu vas voir. Des gros coups comme ça. Voilà. T'aimes pas? Mais je pense qu'on aurait préféré le rouge. Je suis déçu. Le dernier aussi, il est pas. Ah, le dernier mot. Celui-là, il sera bon même. Bon, les gars, je vais vous le montrer. Des quoi déjà, en boutin? Ouais, il vient du chien encore. Plus elle est rouge, plus le fruit est mûr. Ok. Ah, rouge, hein? On est loin du rouge, là. Ça, c'est noir, beau. Mais pas nécessairement rouge foncé. Il veut dire, le plus ça s'approche du rouge, le mieux c'est. Je me dis ceux qui sont frais, rouges, beau. On a des remboutés noirs, beau. Ah, mais il y en a qui tombent vers le rouge. Regarde celui-là. Regarde celui-là. Il blague avec moi, beau. C'est le même truc que le litchi, beau. Le même intérieur que le litchi. Oh! Ok, attends. Oh. Le cap, il peut passer. Mmh. S'il est plus mûr. Il est pas trop gluant. Il peut passer. S'il est plus mûr, on dirait qu'il sera mieux. Mmh. Passez-moi ma grenadine. C'est le meilleur jusqu'à maintenant. Donc, les gars, on a fini avec les fruits exotiques. Ça, je sais pas comment quoi, on va faire. Ça, je sais pas comment on va faire. Bro. Le meilleur, c'est la grenadine. Deuxième, je dirais la mangue, venant de Vietnam. Ensuite de ça. Ensuite de ça, je sais pas, bro. J'ai tout oublié. Ce qui est en bas, ça serait le. Celui-là. Litchi. Le litchi. Pour partir du dernier, c'est litchi, fruit de la passion, après abricot, après fruit du dragon. Non! Après abricot, c'est carambole, après fruit du dragon, après rambouston, après mangue et après ça. Faut aussi noter, les gars, que la plupart des fruits ici, on les a achetés hier. On a acheté tous ces fruits-là hier dans un magasin de fruits. Non, c'est pas de fruits, c'était juste un magasin asiatique. Ouais, un supermarché asiatique. On les a achetés hier et puis aujourd'hui, on fait des dégustations. Donc là, ça se pourrait même que 20% des fruits ici ne sont pas complètement mûrs encore. Donc là, on les mange pas mûrs parce qu'on veut les déguster et faire la vidéo. Ça se pourrait que dans une semaine, on voit les fruits, on les remange encore et on les aime finalement. Tu vois, parce qu'ils seront plus mûrs qu'aujourd'hui. On a vraiment pris tous les fruits exotiques qu'on a vu dans le magasin hier. Comme, demande à Bijou. On a pris tout. Au fond. Ouais. Tout. Et arrivé à la caisse là, quand j'ai vu le prix final, j'ai pleuré. C'est comme. Pour des fruits? Plus de 50 balles, les gars. Je l'ai dit déjà. Ah ouais. Deuxième moment, bon, j'ai oublié. Ça en a valu la peine parce qu'on a dégusté des nouveaux fruits. On a découvert des nouveaux fruits. Et puis. Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on goûte. Quoi? Des fruits exotiques encore? Si vous avez d'autres fruits que vous voulez qu'on goûte, on pourra faire une autre vidéo complète. Donc là, mettez genre 10 fruits dans les commentaires et je vais les acheter. Des légumes, non, pas des légumes exotiques. Légumes exotiques, non. C'est ça qu'on va de manger. Des bonbons exotiques. Enfin, légumes, c'est légumes. Il y a quoi? Tu vas me dire dans un autre pays, il y a un légume qu'on mange pas ici? Ouais. Ah. Si vous voulez me passer deux des fruits exotiques, écrivez dans les commentaires le maximum de fruits que vous connaissez. Et je vais essayer de les trouver ou je les ai commandés en ligne. Ils vont venir à la maison, on va les goûter. Puis, ça nous a donné de l'énergie, hein, c'est des fruits. On a mangé beaucoup de fruits. Ça donne de l'énergie. Ça donne de la force. Ça devient fort. Likez, abonnez-vous. Peace for the new video.